Bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Sur les pas de Demain nous appartient. Alors faut que je vous explique. Alors tout à l'heure j'étais au studio. Alors en parlant de studio, après vous avoir dit telle et telle chose, je vous montrerai une vidéo, plusieurs vidéos et photos qui durera entre 1 minute et 2 minutes pendant que j'ai fait pendant ma figuration. Alors quand j'étais au studio tout à l'heure, j'ai attendu quoi 10 minutes et j'ai vu l'information sur internet. Que ça tournait dans le quoi, que ça tournait dans le set et j'ai vite reconnu l'endroit. Alors je vais aller voir si c'est vrai ou pas. Je vais essayer de vous filmer ça, mais bon, comme d'habitude, on ne filme pas pendant le tournage. Voilà. Enfin, je vous confirmerai ça après. Alors comme vous avez vu sur la vidéo et puis les photos, moi j'ai pris plusieurs photos avec divers comédiens du feuilleton Demain nous appartient comme d'habitude. Ça commence très bien cet épisode numéro 3, franchement ça commence très bien. Après voilà quoi, j'ai pas trop filmé non plus le tournage hein, pour éviter non plus de trop être envahissant quand même, on va pas non plus abuser. Mais là ce que je vais faire, je vais essayer de vous présenter un décor qui est situé à 7. Un décor qui reste dans le thème de DNA. Et puis moi je vais prendre mon scooter et c'est parti pour vous faire visiter au moins quelque chose de plus. Voilà, parce que cet épisode numéro 3 est court, mais au moins j'ai rencontré au moins 4 comédiens et c'est déjà pas mal en une après-midi. Et en même pas une heure, j'ai rencontré. Non, franchement, c'est rare parce que d'habitude on n'en croise pas. Si, on en croise pas mal quand même en une après-midi, mais je dirais, je prends 40 minutes, 30 minutes, c'est assez rare quand même. Bon, je vais arrêter de faire du blabla, et puis moi je reprends un scooter, et puis je vais faire aussi des petites explications quand même pour alimenter cet épisode que j'espère que vous aimez pour l'instant, parce que c'est pas encore terminé bien évidemment. Et puis voilà, moi je reprends la route. Ça y est, je suis arrivé devant un décor, alors qu'on ne le voit pas beaucoup, on le voit très peu, c'est donc la maison des Moreno. La maison des Moreno, elle est située juste derrière ce portail gris. Alors on ne voit pas grand chose au niveau de là, mais de l'autre côté on voit un peu plus la propriété. Voici mon appareil photo, je vais essayer de vous filmer ça de plus près. Alors je suis venu, là ça va, il ne tourne pas, donc je vais filmer discrètement le niveau de la maison. Et si vous voulez voir la vidéo en plus courte, elle est sur TikTok. Voilà. Parce que si je fais aussi pour TikTok, et parce que sur YouTube, elle est plus longue et plus détaillée.
Et je vais aussi vous expliquer comment aborder les acteurs. Parce que vous voyez, quand on aborde des comédiens et qu'on sans les forcer, sans les embêter ou quoi, eh ben, on arrive facilement à avoir une photo et tout en respectant l'équipe de la production. Je vais vous expliquer ça maintenant avant que je vous montre la propriété du décor. Alors, je vais vous la faire en 1 minute environ pour éviter que ce soit trop long. Comment aborder les comédiens? Déjà, si vous les voyez au téléphone, n'insistez pas. Moi, par exemple, la nouvelle actrice, elle, je l'ai vue qu'elle était sur son téléphone. Ce que j'ai fait semblant de ne pas la regarder. J'ai traversé le trottoir et j'ai attendu que son téléphone soit terminé pour ensuite l'aborder et faire le selfie. Ensuite, sur le tournage, je l'ai souvent dit, on ne filme pas l'équipe, on ne filme pas la séquence. Alors, vous pouvez filmer un peu le matériel, mais évitez de faire d'être trop envahissant, évitez de voilà quoi, évitez de trop vous montrer quand même. Faites attention. Et voilà, ça, après il n'y a pas grand-chose aussi, mais voilà, c'est une question de respect. Et si vous avez le respect et que vous savez faire toutes ces choses-là, et ben vous allez avoir plein de selfies avec les acteurs. Il est aussi important, oh, c'est pas important, mais il y a quelques comédiens qui n'apprécient pas qu'on les appelle par leur prénom de fiction. Moi, je les ai toujours appelés par leur prénom de la vraie vie. Par contre, si vous avez un trou noir, des fois ça peut arriver. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé que je me suis dit, tiens, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Alors vous dites à l'acteur, je ne me rappelle plus comment vous vous appelez. Ou alors vous dites, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une petite photo? Voilà, vous voyez, et là, il n'y a même pas besoin de raconter leur prénom de fiction. Ouais, ça peut arriver hein, que tout le monde se trompe. Hein. Se tromper, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais voilà, on va comme ça, je vous le dis. Et vous avez tous ces petits, toute cette petite aide que je peux vous donner. Et puis après, par la suite, je vous expliquerai d'autres explications en rapport avec des aides. Et là, il est déjà 1 minute 45 que je viens de parler. Vous voyez, on ne voit pas le temps passer quand on fait des explications. Après, voilà, il y a d'autres règles à respecter. Mais voilà, je vous expliquerai ça plus tard. Pas dans cet épisode. L'épisode numéro 3 est donc terminé. Alors j'ai passé en tout cas un après-midi sympathique. Et bon, alors les comédiens que j'ai vus, il y avait Naïma, Stanislas, et il y avait Kevin Levy. Et la nouvelle, j'ai essayé de trouver, mais je ne me rappelle plus. Mais j'avais son Instagram, alors je vous mets le nom de son Instagram juste là. Voilà, si j'arrive à la trouver, parce que j'avais trouvé son prénom et tout, mais je m'en souviens plus. Donc, bon, comme c'est une nouvelle actrice, donc pour prendre l'habitude et tout, donc il faudra que je le marque sur un papier ou quelque part. Et puis voilà, moi je vous laisse ici. Si vous avez aimé, tout simplement, n'hésitez pas à rajouter les pouces bleus, commenter, partager, abonnez-vous pour faire évoluer la chaîne. Et petite explication, faut savoir que quand ils tournent sur un tournage, une séquence, par exemple, quand elle doit faire par exemple 1 minute 10, eh ben, elle fera 1 minute 10. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Il y a les changements de point de vue. Mais je vous expliquerai ça sur un autre épisode, un peu plus en détail. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi pour cet épisode. Et puis tant qu'à moi, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres prochaines aventures sur YouTube ou pour un autre prochain épisode. Je vous dis ciao, ciao.